Bonjour les amis, alors nous voici aujourd'hui de nouveau sur Let's Play avec notre ami Yuka et Lily. Let's Play numéro 14, donc nous avons 8 heures de jeu, 55 pages et 507 plumes. Très bien, donc aujourd'hui, comme annoncé lors du précédent épisode, nous allons retourner donc dans le premier monde. Je vais faire quelque chose ici. Non, on peut pas. Ok, très bien. Donc nous allons retourner dans le premier monde pour... voilà. Donc pour tenter de récolter les dernières pages. J'ai encore une course à faire contre le nuage. Ça va être très compliqué parce que sur la glace on n'a vraiment pas beaucoup d'adhérence, donc je ferai ça en dernier. Ce par quoi je vais commencer, c'est les... Je pense que je vais aller chercher les cochons. Je vais vraiment me concentrer. J'ai un peu réfléchi en tout cas au niveau de la deuxième équipe. La première est très simple. Donc voici la jungle avec Sir Godfalot. Ça va, pas soif, vous m'avez compris. Je parie que vous êtes un homme de poids. Scoff, salope. Bon, jusque là on connaît, hein, j'ai déjà fait plusieurs fois dans les let's play parce que je me suis toujours arrêté au second. Son arc le renfort à travers l'île, il bat des records. Là je pense en fait que c'est du côté de Rextro au niveau des records etc. Donc on va aller voir. Ah ouais, il est là. Bonjour, êtes-vous l'un des chevaliers de Cochonrot? Moi non, pas du tout, je suis juste ornithologue. Un bon vieil ornithologue ennuyeux. Un des personnages de cette île est un chevalier et ce n'est pas le dinosaure. D'accord, vous m'avez démasqué et je suis Sir Shootsalot, chevalier de Cochonrot. C'est l'armure qui vous a trahi. Allez, donnez-nous votre indice. Oh oui, le trésor. Près de la rampe pro du monde sous la terre, explorez la crypte. Vous voulez dire la tombe? Ça me viendrait plus ou moins. Ah, je savais que j'avais oublié quelque chose d'important. Si vous oubliez, redemandez-moi, j'essaierai de me concentrer. Très bien, donc lui je sais, je vois tout à fait où il se trouve. Hop, je sais pas si vous vous rappelez, ok, on va prendre tant qu'on est là. Tant que nous sommes là, nous allons... Hop, oui je sais, je vais mourir, mais c'est pas grave, au moins j'ai récupéré la plume. Parce que le but évidemment c'est d'avoir les 200 plumes, et en plus, soit dit en passant, je me suis rapproché du cochon que je dois chercher. Très bien.
Donc, nous allons faire la course. Hop, 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 voilà. Et le cochon doit être là-dedans. Très bien. Ça, le trésor de Rambo. C'est à moi, tout est à moi. C'est le jambon et le homard de Lady Léapalot hier soir. Bonjour, vos compagnons chevaliers de Cochonnotte nous ont guidés jusqu'à vous. Nous sommes ici pour récupérer notre trésor. Allez, donnez-nous. Un trésor, quoi ça? C'est du toc, que du bois. Sir Scott Fallot était certain qu'on trouverait une pagille. Oh, ce vieux truc, la feuille avec un sourire débile. Servez-vous, paysan. Je m'en contrefiche. Très bien. Donc j'étais déjà venu dans cette pièce, mais je ne savais pas au départ que c'était avec les cochons qu'il fallait venir. Et donc, voici, ça c'est fait. Alors, je vais m'orienter par là. Rappelez-vous, voilà, il y a une pagie. Et vous êtes là pour la vue? Non, on est venu pour te collecter. Terminez ce parcours en planant en travers d'anneau. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça que les choses se passent à cette altitude. Bonne chance et évitez de regarder en bas. Bon. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps. Hop, bon, j'ai déjà dépassé l'endroit où je m'étais tué hier. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Ok. Très bien. Oui, madame la pagie, je sais. Veuillez m'excuser pour ce petit temps d'attente. Je suis quelque peu enrhumé, n'est-ce pas? Et donc, un mouchage de nez s'imposait. Mouchage, je pense que je viens d'inventer un nouveau mot. Il va rentrer au dictionnaire, ici en Belgique. Allez. Hop. Hop. Mais c'est magnifique. Nous allons récupérer cette pagille, les amis. Hop là. Perfetto. Donc ça c'est fait, très bien. Ok. Mais c'est pas ça que je vais faire, je vais le récupérer avec la lampe. Alors, que se passe-t-il là-haut?
pages du plus. Si je suis jamais allé par là du coup. Cool, des pages. Des pages, moi des plus, pardon. Oh oui, c'était bien évidemment des plus. Ah, il y a des pages là-bas. Ah. Mais si, cher ami. Ok, il y a une plateforme invisible sur le côté. On se connaît? Bonjour, je suis Blastoise. Blastoise, ah oui, d'accord. Vous avez peut-être déjà croisé mon frère Blasto. Il parle beaucoup et adore un bon boulet de canon pour le thé. Un oiseau lui est sorti de la bouche, d'accord. Enfin bref, vu que vous passez par là, pouvez-vous me rendre un service? Et vous avez vu mes quatre amis? C'est leur anniversaire, j'aimerais que vous m'aidiez à livrer mes cadeaux. Ils n'ont pas l'air très sympathiques, je crois que l'un d'eux vient de te lancer une framboise. Oh non, on est les meilleurs amis du monde. S'il vous plaît, complimentez-moi un peu pour que je puisse livrer ces superbes cadeaux. Complimentez-moi. Bien sûr Blastoise, on va t'aider. Excellent, complimentez-moi juste un peu pour que je puisse livrer des douceurs à mes amis. Allez, je vais te complimenter, moi, tu vas voir. Et voilà. Blam, c'est la dernière fois qu'il se moque de moi. Sors de là, Yuka. Ce type est un vrai danger public. Au fait, j'ai bien un cadeau là-haut. Il est là-bas si tu le veux. On le trouvera, Blastoise, et c'est juste de te détendre un peu. Mais si, cher ami. Ok, plateforme qui monte. C'est bon, ça. Hop. Ah yeah. Très bien. Alors, les totos, nous sommes à... non, pas 12 sur 20. Nous sommes à 20 sur 25 dans les tropiques tonines... tropiques tribulantes, pardon. Très bien. Et si je vais par là? Hop. Alors, par là, est-ce que j'ai tout récupéré? Ah oui, ma jauge elle augmente en fait, c'est vraiment c'est ça. Donc je me demandais la dernière fois si ma jauge avait augmenté, mais oui, elle a bien augmenté suite à la... Comment? Suite à la prise de... Je vais y arriver. Suite à la prise de ces... Comment ça s'appelle? Truc de puissance, là. Jeton de puissance. Laissez-moi réfléchir. Je vais d'abord le faire pleuvoir, lui. Hop. Je vais pas faire la glace tout de suite. Je vais juste le faire pleuvoir. Et je pense que... Voilà. Je pense que j'ai oublié de la... Peut-être des pagis dans l'eau, je ne sais pas. J'irai voir en faisant des bulles, en faisant une bulle après. Alors, j'ai oublié des pages par ici, je pense que j'en ai oublié par là-bas. Ouais,
là et en un, je la vois. Pas des pagis, je voulais dire des plumes. Hein. Chaque fois je dis pagis, on ressent des plumes, non je sais pas. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des plumes par ici? Je n'en vois point. J'en ai combien d'ailleurs? Oui. 172 sur 200, donc il m'en manque 28. Et quand même un sacré paquet. Je vais aller voir près de Rambo, voir si j'ai pas... Ah, là je vois. Alors, plus que 25 plumes, ça c'est parfait. Nous avons récupéré les plumes près de Rambo, donc il nous manque plus que 17 plumes si je ne m'abuse. Pas de plumes au-dessus, très bien. Alors... C'est vraiment à se demander où sont ces foutues plumes. Hein. Je vais faire le tour de la rivière pour vérifier s'il n'y a pas de plumes, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais. Non, je ne pense pas. Ça, c'est plutôt embêtant. Bon. Eh
bien, ce monde est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Là-bas, j'ai tout récolté. Bon, écoutez, la course, franchement, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de la faire. Du coup, qu'allons-nous faire? Nous allons... Eh ben, je vais vous emmener sur le monde Glagla, parce que le monde Glagla, nous n'avons vraiment, mais vraiment pas parcouru. Donc, on va aller jusque là, soyons fous. Faut juste que je me rappelle... Faut juste que je me rappelle le chemin pour y aller. Par là, je pense. Hop. Allons-y, allons-y, les amis. Allez, direction mon Glagla. Hop là. Et voilà. Bon. Monde Glagla, je vous le dis tout de suite, c'est un monde que je n'aime vraiment pas. Et très réussi, hein, c'est pas ça, mais le froid, bon, c'est pas mon truc. Le premier monde, je trouvais vraiment sympa. Bon, après, j'y suis resté assez longtemps quand même. Premier monde, vraiment sympa. Second, ben, voilà, vous connaissez mon opinion. Ensuite, le troisième, le marais, pas mal. Le marais, pas mal du tout. Hop, ok. Bon. Nous allons aller par là-bas. Alors... On va aller détruire la statue, parce que je pense qu'il doit avoir des boulets quelque part. Donc la statue était... Oh tiens, une plume. Merci cher ami. Non, non, ok. Hop, on récupère le petit cœur perdu. Ah, une plume. Ah, ben les voilà les boulets. Alors, les boulets sont là. Ok, ça c'est là. Oh non. Ok. Oh là là. Oh. Bon, on y retourne. Mais bon. Ouais, oh mon dieu. Il était temps, Capital B devrait rentrer dans des boutiques à tout moment, ok. Voilà donc, prenez votre récompense et dégagez, bande inutile. Merci planqueur. C'est vraiment un planqueur, si vous n'êtes pas un planqué. Mais on n'est pas... Ça suffit, dégagez. Écoutez, il me donne une pagie. Je vais pas... Pas trop discuter. Très bien l'ami. Alors. Oh de l'herbe. Ouais. C'est pas gelé partout. Hop. Alors. Ok.
Alors, très bien. Où allons-nous aller? Là-bas, c'est la limite du monde. Le monde est déjà agrandi, hein. On n'a pas regardé les épisodes précédents. Bien. Bon, on va rentrer dans cette immense caverne. Caverne cristalline. Je suis pas déjà allé ici? Si, je suis déjà venu ici. Au loin, s'est envolé le chapeau sur ma tête. Oui, ici je suis déjà venu puisque je... Comment? Ouais, là, parfait. Puisque j'ai récupéré l'apagie. Pas sûr qu'il y ait d'autres choses à faire en fait ici. Hein. Pas sûr qu'il y ait d'autres choses à faire en effet. Ok. Ah ah. Ah oui, ok. Donc je vais aller prendre le... Comment? Ça là. Hop. Le miel, voilà, je vais y arriver. Mais je suis vieux, les amis. Oui. Hop. Allez, où? Allez, là. Allez, je vais aller chercher ma petite jauge là. En plus, juste là au-dessus. Je sais pas si vous l'avez vu là. Faut juste que je passe le foutu ventilateur. Hop là. Ouais. Bon, maintenant on va redescendre, reprendre le miel et monter tout en haut. C'est parti. C'est parti mon kiki. Here we go, comme dirait notre ami Mario. Alors. Ah oui, bah voilà, ok, ça c'était pour rester sur la gauche. Très bien, donc là on va sortir en hauteur. C'était pour pouvoir passer dans le fil, dans le flux d'air. Sans être dévié par le dit flux d'air. Ok, donc là nous retombons au début. Donc les totos, nous sommes... Non, la rue ça m'est égal, les tropiques également, nous sommes à 9 sur 25, oh là là, c'est pathétique les amis, c'est pathétique, c'est dire à quel point j'aime ce monde. Bon, il y a un fantôme juste là à gauche, je vais pas bien trouver pour le sauver. Non, ça fonctionne pas, il me faut de l'eau.
me faut de l'eau. Ah, ou pas, non. Hop, voilà, il me faut juste ça. Du coup, je peux passer dans le feu sans souci. Viens, mon copain, je vais t'aider. Oui! T'es mon poteau maintenant. Yeah! J'ai trouvé. Oh là là là. Et je me suis torturé l'esprit, hein. Hop. Bon là il faut que j'ai chaud. Alors nous allons essayer de passer ici. Hop. Je sais ça sert à rien de le prendre plusieurs fois hein, les amis. Mais... Ok, ok. Oh non, 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 non. Je suis un boulet. Je suis un méga boulet. Ouais, ouais. J'ai trouvé que tu as besoin de chaleur, Yuka. Et là, j'ai plus... je pense plus que j'ai de cœur, enfin de... Ok, ouais, bah il m'en reste deux. Il m'en reste deux, je vais juste prier pour en avoir un troisième. Ah bah non. Hop. Oh, salopard. Mais par ici. Non, ok, il retourne là-bas. Bon, normalement, on a juste le temps. Ça doit être calculé pour, hein. Allez, viens par ici. Allez. Il faut l'éviter, mais en étant sur la glace... Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais les précédents, j'avais déjà du mal. Alors, sur la glace en prime, voilà. Vous savez que mon skill n'est pas du tout légendaire. Donc, ici, je pense que pour cet épisode, je vais m'atteler à aller récupérer ce fantôme, le petit salopard. Voilà. Je vais m'atteler à récupérer ce petit salopard de fantôme. Et puis je pense que je vais continuer à monter ici le... Parce que tout au-dessus, c'est pas possible d'avoir de la magie. Je vais m'atteler donc à monter tout au-dessus de cette structure de glace. Pour récupérer la magie. Et ensuite... Et bien ensuite, ce sera tout pour cet épisode, n'est-ce pas? Donc, on va s'atteler à cela. Hop, voilà. Allez, monte plateforme. Ah, le vilain. Ah, ça c'est pas gentil ça. Ça c'est pas gentil non plus. Bah allez. Et il se marre en plus, hein. Il est où? Il est là. Ok, il retourne là-bas. Viens ici. Mais allez. Bon, vous savez quoi? Je pense que...
pense que je reviendrai plus tard pour ce... pour ce fantôme, parce qu'il me casse vraiment les... Vous savez quoi? La température. Nous sortons de là, Yuka. On trouve toutes sortes d'horribles bestioles dans les grottes. Très bien, je vais parler au petit bonhomme de neige ici, qui a certainement perdu son chapeau, tout ça à cause d'une rafale de vent qui me l'a emporté. Ok. Donc, voici l'Apagie. Moi, j'ai dit que nous arrêtions par ici. Je vais quand même aller voir ce qui se passe par là. Non, non. Oh là 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 là. Ok, donc là, très bien. Les igloos. Ah, parfait. Nous avons trouvé les gloubous, les igloos. Ah, il n'y a pas de... D'accord. J'ai pas droit à... Non, rien du tout. Il m'a envoyé bouler sur ce coup-là. Ah non, elle est là-bas. Je me dis, ça y est, je vois un chaudron. Elle est dedans, mais en fait, non. Elle est là sur le côté, elle s'en est sortie pour une fois. Allez, Clara. Oh, heureusement, voici de l'aide. La tribu de monstres à proximité retire en otage une précieuse relique. Tu parles de ce vieux popuant, il doit valoir autant que les vieilles chaussettes de Yuka. Non mais oh, comment tu m'as appelé? À l'aide, les membres de la tribu se préparent à dîner chez eux, il va falloir faire s'effondrer les toits si on veut la moindre chance de s'échapper. Très bien, Dr. Bones. On vous aidera, contrairement à vous, on a du cran et on aime les jeux d'aventure. Ah, ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Faco, t'es mauvais. Bon, très bien. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Du coup, on reprendra au prochain épisode. Nous retournerons près de notre amie Clara. Très bien. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Peace.